Salut à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Roucoule Express. Ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné de Roucoule Express. Je crois que le dernier en date, il était mis sur la chaîne le mois de juillet, il me semble. Ça va faire bientôt 4 mois. Et bah j'ai pas fait énormément d'échanges parce que c'est vrai qu'il y a eu les grandes vacances et tout, il y a eu la rentrée et puis c'est vrai que c'était une période où j'avais pas beaucoup de temps de m'occuper de la collection. M'occuper de la chaîne. Et j'ai dû faire 5 échanges ces derniers mois, et, bah, des échanges plutôt intéressants. Alors par contre, je suis désolé, j'ai effacé les mails, parce que quand on a fait des échanges, on communiquait par mail principalement, et je les ai supprimés, et puis avec les mois qui sont passés, je me rappelle plus du tout contre quoi j'ai échangé les cartes. Donc voilà, faudra pas m'en vouloir. Bah écoutez, c'est parti, on va pas traîner. On va commencer par un premier échange que j'ai fait avec Hugo. Voilà, bon, avec Hugo, ça fait déjà. Je crois qu'on est rendu au 15e échange depuis le début de la chaîne. Bah oui, comme je l'ai dit, je ne me rappelle plus contre quoi j'ai échangé ce lot de cartes. Nous avons un Terraclope holographique de Exdeoxys. Il y a un petit Zarbi holo de X-Force caché. Bah après, c'est principalement des cartes de Zarbi. J'ai montré la lettre J, je pense. Je crois que c'est ça. Non, la lettre Y. Ok. La lettre L. Non, il n'y en a pas. La lettre O. K. Et Z. Voilà. Et je vois qu'il y a une petite carte derrière. Il s'agit d'un 9 secret. Ah oui. Ah bah non, elle est collée avec une sleeve. Ouais, un 9 secret. Voilà. De Explosion Plasma que. Bah que je pense savoir et en fait que je n'ai pas. Voilà. La carte est en plutôt très bon état. Voilà, c'est cool. Et aussi d'un Zygarde de Jex Full Art. On a fait deux échanges en tout. Et le Zygarde était à part. Voilà. De la série. C'est pas Ultra Prisme. C'est Lumière Interdite, je crois. Voilà. Bah, je l'avais pas. La carte est neuve, il n'y a aucun souci. Voilà. Merci à toi Hugo, et puis c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de toi. Je vais essayer de te contacter bientôt pour essayer de faire un nouvel échange. Je sais pas si tu as arrêté la collection ou si tu continues. Enfin, coucou à toi si tu passes par ici. Hop. Ça c'était le premier échange. Ensuite, bah, écoutez, je prends de pif. Alors Coucou Nico, merci pour Infinobi, je suis super content de l'ajouter à ma collection, au plaisir de compléter la tienne. Encore félicitations pour votre mariage, mais comme quoi des échanges datent. Bisous, à bientôt, Elodie. Elodie de la chaîne Miss Exprint. Bah écoute, coucou à toi si tu passes par là. L'échange était simple, c'était une GX contre une GX. Elle m'a échangé le Palkia GX, de la même série que le Zygarde. Et moi j'avais changé le Amphinobi GX, voilà, que j'ai eu en double, elle a dû avoir le Palkia en double. On a conclu cet échange, voilà. Merci à toi. Pareil, ça m'aide à compléter. Ensuite, là je crois que c'était un bel échange. Salut, merci pour ce nouvel échange, j'espère que les cartes te plairont, en plus elles sont neuves. J'espère que nous pourrons refaire des échanges de cartes Pokémon, merci. Et c'est signé Sarah. Je m'en souviens très bien cet échange. Là, il y a du lourd quand même. On a Flo Full Art, Nefi Full Art, Bamboisel et Filali. C'est que des séries Ultra Prisme. Là, ça va me faire un bon dans la série. Je vais bien avancer. Contre quoi j'ai changé ces cartes? Et bah, je pense que c'est un lot de cartes d'Ultra. Il devait y avoir un peu de tout. Peut-être des dressers Full Art, peut-être des Full Art, je me rappelle plus, je suis désolé Sarah, mais ça date il y a trop longtemps cet échange. Voilà. Un grand merci à toi, parce que là, bah voilà, ça m'aide bien à avancer. Voilà. Puis c'est vrai que ces cartes, elles sont chouettes, quoi. Voilà. Hop, je vais poser ça ici. Ensuite, hop, au hasard. Alors, bonne réception à toi. Je t'ai mis deux petits Pika. Cadeau, amitié Damien. Voilà. Bon, je pense que ça va être un abonné de la chaîne. Il m'a échangé un Sévipère holographique. Hop, il a mis des petites cartes Picard en cadeau. Écoute, merci à toi. Ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Voilà. Je vais bien les conserver précieusement. La carte en question, c'était un Sévipère holo de Tempête des Sables. Certaines holos du Blokex, comme par exemple la série Tempête des Sables, c'est
pas facile à trouver. Donc la carte est plutôt bon. On voit qu'elle a un peu de vécu, mais bon, c'est pas grave, c'est pour combler le trou. Donc le petit sévipère donc qui combat un mangrove, je pense. Donc franchement, l'illustration est très très belle. Voilà. Donc contre quoi j'ai changé ça? Bah, c'est pareil, je ne m'en souviens plus. Hop, je vais la poser ici. Et donc il me reste plus qu'à vous montrer donc le dernier échange. Alors, salut Nico, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que les cartes seront à la hauteur de tes attentes. Signé Pokénote. Voilà, rien d'autre. Et donc les cartes en question. Donc on a le maillet amélioré, voilà, de Primo Choc. Alors j'étais persuadé que j'avais fini le bloc XY à 100%. Et en regardant mes collections il y a quelques mois, bah, je me suis aperçu qu'il manquait le maillet amélioré. Donc bah, maintenant c'est chose faite, là je peux dire que le bloc XY est fini à 100%. Voilà, c'était la dernière carte qui manquait. Donc de la série Primo Choc. Et on a donc deux petites full art dresseurs, donc par Ultra Prisme Gardien Sonnant. Et il s'agit de Pectorius et Lily. Voilà. Donc ça m'aide à compléter. Franchement, avec tous ces échanges, même s'il n'y en a que 5 en quelques mois, bah, ça m'a bien permis d'avancer, donc c'est cool. Voilà. Donc contre quoi j'ai échangé ça? Pareil, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Donc je vais poser ça ici. Et alors par contre, voilà, bon. Quand je range mes courriers d'abonnés, bon, c'est un petit peu à chaque fois en pagaille, c'est mélangé. Et une personne m'a mis un petit bonus. Voilà. Donc, bah, je suis désolé, je peux pas savoir qui m'a fait ce petit bonus. Donc, bah, écoute, si jamais tu regardes la vidéo, bah, n'hésite pas à te manifester, à te dire que c'est toi. Et je te remercierai pour ce petit cadeau. Donc, hop, je vais enlever. Et on a donc. Carte, non, c'est bon. Ok, donc on a deux petites reverses de Ombre Ardente, donc le Hippotrempe et le Mios. Ok, bah merci beaucoup, c'est sympa. Je vais regarder si je les ai pas, puis comme ça je pourrais les mettre dans la collection. Bon, bah super, bah merci à toi en tout cas pour ce petit cadeau. Bon, je sais pas à qui m'adresser, mais bon, si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Voilà, hop. Alors donc du coup maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais vous montrer donc toutes mes nouvelles cartes qui sont à l'échange, donc que ce soit Ultra ou Block Wizard. Voilà. Je dis à tout de suite. Hop, allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer un petit peu donc ce que je vous propose à l'échange. Je me rappelle plus si au dernier Roku Express je vous ai montré ce format de classeur, parce que est-ce que je les avais encore dans les trois classeurs différents? Parce que là, j'ai décidé de regrouper toutes mes ultras, de ce que ce soit de n'importe quel bloc, et toutes mes cartes rares et holo du bloc Wizard. Et je me rappelle plus si je l'avais fait il y a 3 mois. Bon, peut-être, je me rappelle plus. Donc, allez, c'est parti. Je vais soulever la caméra. Donc, comme vous pouvez vous apercevoir, bah, j'ai mis des prix sur chaque carte parce que je vais bientôt exposer à une bourse aux jouets. Donc, bah, j'ai commencé à préparer un petit peu. Pour la vente, voilà. Bah, si jamais vous voulez m'acheter les cartes, après y a aucun souci. Voilà. Et puis même si vous voulez m'en prendre plusieurs, on peut toujours négocier le prix. Moi, ça me pose pas de problème. Voilà. Alors, je vais soulever délicatement pour vous montrer tout ça. Bon, tout est mélangé, les GX et Fouleurs, tout ça. Voilà, rien n'est dans l'ordre. Je vais pas vous les dire tout à chaque fois parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc là, on a TGX. Alors là-haut, hop, on continue. Voilà. N'hésitez pas à faire pause s'il y a une carte en particulier qui vous intéresse. Voilà. Hop. Là, il n'y a rien. Donc là, on a un petit Sarmour Rainbow qui est sympa. Voilà. Donc là, on a. On passe à des full art. Donc le petit méga draco feu, méga tortank. Hop, là on a un petit symbiote secret, un engloutir en full art. Là on a 3 Mewtwo qui sont sympas. Encore des petites cartes qui traînent. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a des trous, donc c'est des cartes qui sont parties il y a quelques temps. Voilà. Donc là, on a des foulards dresseurs.
Voilà. Hop, deux petites foulards. Là, on a quelques méga qui traînent ici. Voilà. Quelques petites cartes aussi là. Ça, c'est des cartes étrangères. Bon, je pense pas que ça va vous intéresser, mais je vous les montre quand même. Voilà, donc Daitech, pareil, je ne pense pas que ce soit votre centre de recherche. Enfin, pourquoi pas, on sait jamais. Voilà, la petite Draco Feu Secret qui peut être toujours sympa. Des petites primes, hop. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je ne voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, un petit Articuno secret, on en voit encore c'est la mèche. Voilà, là on a quoi? Là on a un petit Goupix, un petit Arceus. J'en ai vendu pas mal à une brocante au mois d'août, des Arceus. Ouais. Je pensais pas que ça aurait été des cartes que des collectionneurs m'auraient acheté, mais bon, c'est principalement ouais, des collectionneurs qui m'en avaient pris. Oui, j'ai mis des petites reverse, des énergies en reverse, donc là soir, bon, pourquoi pas, bon, je l'ai fait. J'ai fait pas très cher. Donc là maintenant on passe au wizard, donc rare et holo, bon tout est mélangé. Voilà, hop. Je me suis renfloué un petit peu en wizard parce que à un moment j'en avais presque plus du tout à l'échange, donc là j'en ai remis pas mal. Hop, continue, là y a rien. Un petit recarnage holo. Ok, bon, vous voyez qu'il est à 2,50€, mais c'est qu'il a ses raisons. Il est pas mal le pire. Hop, là-haut. Voilà, bon, comme vous pouvez le constater, bah, c'est pas forcément des cartes qui sont en très très bon état. C'est ce que je trouve principalement en brocante. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, bon, après, c'est Katugio, mais bon, je vais pas m'embêter avec ça, je crois qu'en plus il n'y a pas du tout de carte intéressante. Donc voilà. Hop. Si vous voyez, si franchement vous me dites ah bah non j'aurais bien voulu voir les cartes Yu-Gi-Oh, bah pas de soucis, de toute façon je pense qu'elles seront encore là. Je vous montrerai dans le prochain Rookool, mais là je ne pense pas qu'on va m'en demander. Voilà. Alors ensuite, pour ce que moi je recherche, donc écoutez, c'est pas compliqué, tout sera noté dans la description en bas de la vidéo. Donc voilà, s'il y a des cartes qui vous intéressent, bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à nicoandaudrey@gmail.com. Donc pareil, ce sera écrit dans la description. Si vous voulez discuter là, pour un échange par commentaire, c'est possible, mais bon, je pense que ce sera plus simple de faire ça par mail, voilà. Sinon, que vous dire de plus, je ne sais pas trop, voilà, bon, il y a pas mal de belles cartes quand même. Voilà. Donc j'espère que vous arriverez à trouver votre bonheur. Bah écoutez, sur ce, moi je pense que je vous ai tout dit. A très bientôt sur la chaîne. Si jamais vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, bah je vous invite à le faire juste ici. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Écoutez, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, bye bye tout le monde. Salut.